Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de novembre 2022. Alors vous m'avez donné du fil à retordre parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire votre vidéo, j'ai pas réussi. Il y a toujours eu un couac. Ça fait déjà depuis plusieurs jours que j'essaye de faire votre vidéo, j'y arrivais pas. Bon, bah écoutez, je retente aujourd'hui en espérant que ça va marcher et que l'énergie pour vous, elle est là à mes côtés. Donc, on va aller voir du coup, parce que par rapport donc au précédent tirage, j'ai inclus les célibataires. Est-ce que réellement, ça va être des célibataires à 100%? Je ne sais pas. On va aller voir du coup par rapport au tirage, parce que j'ai vu sur les précédents, ça se mélangeait très facilement avec les relations compliquées ou les triangulaires. On pouvait tout à fait se retrouver en bas comme en haut comme en bas. Donc là, la partie du bas, ça sera plutôt pour les personnes en couple, en relation compliquée ou triangulaire d'ailleurs au passage. Donc vous vous retrouverez normalement en bas. Mais vous pouvez tout à fait vous retrouver aussi dans des situations compliquées en haut comme en bas. Prenez bien sûr ce qui résonne avec vous les amis. L'énergie est tout à fait interchangeable. Il se peut que c'est de vous dont je parle, mais il se peut aussi que c'est une personne face à vous qui ressort sur vos énergies les amis. Ok? Dont on peut me donner sa situation ou son point de vue à cette personne sur votre propre signe. Ok? Allez, je fais votre lecture. Bonne écoute. Allez, pour les béliers. Célibataire, pour ce mois de novembre, quel est le message à vous transmettre, les amis? Je vois votre propre signe qui ressort ici, avec le signe du Gémeaux. Bon, de toute façon, je vous les montrerai tout à l'heure. Hop, on a les trois feux, mais c'est incroyable comment ils se retournent en ce moment, ces trois feux. Allez, hop. Pour les béliers en couple, en triangulaire, en relation compliquée, c'est par ici. On a la lettre H. On a le signe du Gémeaux. Ah, j'ai deux fois Gémeaux, les amis. On a le signe du Poisson également, qui est là. Indécision. Relation compliquée. Bon, on va aller voir tout à l'heure un peu plus en détail. Donc moi, je laisse les breloques en haut. Allez. Quel est le message ici à me transmettre aux béliers sur ce mois de novembre? Les béliers célibataires, s'il vous plaît. Quels sont les messages ici à me transmettre? Franchement, au vu des breloques, j'ai l'impression que c'est plutôt une relation compliquée ou triangulaire qui m'en sort ici. Allez, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Vous pouvez juste être en gros solo, hein, tout simplement. Ah, on a l'aléa de flamme. Oh là là. Ouf, pardon. On a l'aléa de flamme jumelle à la fin du paquet. Ce que je vous disais déjà quand je regardais les breloques, je me suis dit, bon, bah déjà, on est dans une triangulaire, ça peut être possible parce que on peut avoir affaire à un lien de flamme jumelle et un de vous deux qui est pris et l'autre qui est solo, ça peut être possible. Allez, on va aller voir du coup avec le tarot. Allez, pour les béliers célibataires sur ce mois de novembre, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, pour les béliers, s'il vous plaît. Oula. On a la tour. On a le 8 de denier, le caméraman. Action. Allez, on a le 4 de denier. On est sur la. On a le mot possessif dessus, le fait de posséder quelque chose aussi. On a le 10 de denier. Ah bah dis donc, il y en a des deniers ici. Sweet home, enfin, on a la maison ici, hein, donc le patrimoine, quoi. Alors, ici, la situation actuelle, on parle quand même d'une relation qu'on a eue de manière très éphémère avec quelqu'un. Ça peut être aussi qu'on a entretenu une relation alors que la personne elle est prise, effectivement, dans un contexte familial. On a déjà bâti quelque chose, on a déjà construit quelque chose, et puis on a eu une relation ici de manière brève, éphémère, mais par contre on ne s'y attendait pas avec la carte de la tour. Soit il y a eu un bouleversement parce qu'il y a eu une cassure,
mais ça peut être aussi, bam, on se prend en pleine figure un lien de flamme jumelle. Ok, ça peut être pour certains aussi, ça a pu essayer de commencer sur un lieu de travail, hein, d'accord. Par contre, on nous annonce aussi ce qui est à venir, la réussite, concernant ici celui de denier. Alors, soit c'est des efforts qui vont être faits, soit c'est le fait d'entreprendre quelque chose, soit il y a un travail aussi qui a été fait sur soi, ok, d'accord. En tout cas, il y a une réussite par rapport au travail qui a pu être fait. Il y a un effet miroir avec l'autre personne. Il y a quelque chose ici où on se protège, soit au niveau du cœur, soit il y a quelque chose ici où on veut posséder ou enfermer quelqu'un, d'accord, avec le cas de denier. Mais aussi un effet miroir. Si par exemple on veut enfermer l'autre, bah, l'autre il a tendance à vouloir fuir. Il faut voilà, lâcher ce côté emprise. Lâcher ce côté contrôle, c'est le cas de denier, c'est aussi vouloir contrôler. Hein. On ne peut pas contrôler une situation, il faudra se laisser aller, lâcher prise et arrêter de vouloir essayer posséder, vouloir être possessive. D'accord? Parce que sinon, on se prend en pleine figure un effet miroir, mais plutôt inverse. Okay? Et d'ailleurs, cette possessivité, c'est ce qu'on aimerait essayer posséder. Il y a quelque chose qu'on devrait comprendre qu'à l'intérieur de soi, à quoi ça nous renvoie ici. Un manque d'insécurité, visiblement, d'accord? Ou un manque de confiance, aussi. Dans les breloques. Donc, effectivement, vous me ressortez ici en tant que signe, mais j'ai le signe du gémeau. Et derrière le gémeau, on le retrouve autant en haut qu'en bas, d'accord? Ici. Alors, peut-être qu'on a un côté contrôle, l'un et l'autre, mais pas de la même manière. Pas de la même manière ici, pour le côté contrôle. Pardon, excusez-moi, je vais juste voir quelque chose dans mon planning. Parce que... Bon. Parce que j'ai une notification d'un côté sur mon... Sur mon autre téléphone et je suis étonnée. Bon, bah écoutez, on verra. Oui, donc excusez-moi. Donc il y a un effet miroir sur le côté contrôlant la possessivité, mais je pense que c'est un effet miroir inversé. On contrôle trop, mais c'est pas de la même manière, j'ai l'impression. On a des comportements similaires. Mais de manière peut-être inversée. Ou alors, l'autre nous renvoie tout simplement en effet miroir le côté contrôle, hein, en soi. Ça peut être possible. Il y a bien un lien d'âme ici avec les deux signes qu'on retrouve ici dans les breloques. On le voit aussi avec les deux petites pommes qui forment deux cœurs qui sont accrochés l'une à l'autre. D'autant plus que c'est des signes protégés. On a un signe du bélier, et on a le signe du gémeau. Le gémeau, j'ai aussi le côté jumilaire qui peut me faire penser justement au lien de flamme jumelle. Mais comme de toute façon, on le retrouve à la fin du paquet, effectivement, ça peut être possible. Il y a ici un schéma qui nous ralentit. Alors, ça peut être une situation, un contexte dans lequel on est longtemps ancré, mais moi pour moi avec le breloque de l'encre, c'est pas un contexte familial, c'est plutôt des schémas qui sont ancrés à l'intérieur de nous, qu'on a emmagasinés depuis plusieurs années, depuis l'enfance, hein, de toute façon, qui nous viennent d'ailleurs d'une situation contexte familial. Bien évidemment qu'il y a quelqu'un qui est empêché à s'extraire d'une situation, un contexte familial, on le retrouve de toute façon ici, même en bas. Le fait de quitter ici un contexte familial avec le breloque de l'arbre et le bateau à côté. J'ai l'impression qu'on cède. On cède ici, on donne de l'amour, mais de manière à distance. Ça, c'est très bien. Parce que si la personne, par exemple, elle est prise dans un contexte familial, vaut mieux rester au loin, d'accord? Et on peut tout à fait aimer l'autre personne de loin, lui envoyer l'amour. Et nous faire travailler, de toute façon, l'effet miroir sera toujours là, même à distance. Donc, il va nous faire renvoyer ici
en nous-mêmes, afin qu'on regarde à l'intérieur de nous pour voir un peu, aller casser ces schémas qui nous bloquent, nous ralentissent et nous stagnent en fait dans notre évolution. D'accord ? On nous montre ici des femmes, hein, donc en général c'est la consultante. Vous en tant que femme, par rapport à une femme, voilà, ça c'est vous qui voyez mes amis, ok ? En tout cas, cet amour qu'il y a ici entre les deux protagonistes qui sont dans ce lien d'âme, qui est là, qui en plus qui est protégé. Il y a ce côté compassion, entraide, le fait de retrouver aussi une liberté, de retrouver la paix. On doit remercier normalement cette personne qu'on aime ici. Hein. Vraiment, être vraiment dans la gratitude parce que cette personne, elle va vraiment, en effet miroir, vous faire avancer, vous faire évoluer. Par contre, je n'ai pas dit que c'était facile. D'accord, c'est même compliqué. Par contre, vous voyez, il y a une certaine forme de « on baisse la garde », j'ai l'impression ici. Avec cette personne, c'est comme si on a baissé à un moment donné la garde pour que le lien puisse se mettre en place. Peut-être que même, justement, on le conscientise en baissant la garde. D'ailleurs, de très, très... Et ça a été très rapide, en fait, hein, ici, d'accord. Mais pour moi, il y a un travail qui va... être fait, qui va être réussi. Pour moi, ce qui bloque les schémas bloquants, les schémas stagnants dans lesquels on est ancré depuis plusieurs années, sur lesquels on s'est construit au fil des années, il y a quelque chose pour moi ici, on le voit pas dans les blocs, mais on le voit dans les cartes. Pour moi, il y a un travail qui va réussir à être mené, d'accord, à être fait. Et à distance, on envoie de l'amour. Parce que là, on est loin, mais on tend cette main avec ce cœur rempli d'amour. Ok, pour l'autre. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh là, excusez-moi, j'ai la carte en plus de la flamme qui est restée ici à l'endroit. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Pour les béliers, dépendance. On a la carte de l'abandon. On nous a aussi tourné peut-être le dos. Vous avez tourné le dos éventuellement à quelqu'un. D'accord. Alors ici, ça a démarré de manière dans une posture où on était dans une posture d'amante ou de maîtresse ou de personne non officielle. D'accord. On le retrouve avec la carte de l'éphémère. C'est une carte de superficialité, mais de éphémère également, avec cette carte. On a démarré ici une communication de manière très brève. Et par contre, ça a été très intense. J'ai l'impression, comme la carte de la dépendance affective est retournée, est-ce qu'on n'en est pas en train d'en sortir de cette dépendance par rapport à l'autre? Parce que justement, on est en train de faire un travail. Et en plus, ce travail sera une réussite. Et grâce à cet effet miroir, on est en train de lâcher aussi certaines choses. On est en train de lâcher prise. Ça peut être possible, d'accord? De ce qu'on peut nous montrer ici. Allez, quels sont les messages ici à transmettre au bélier, s'il vous plaît? J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Eh ben tiens donc, eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est chouette. Je vous dis, il y a un travail qui a été fait. Même si la personne, elle a été très rapide, ça a été très... très intense, très brève. On a pris conscience, il y a eu un bouleversement. Ça nous est tombé dessus. On a été peut-être de manière ici à ce qu'on a été en mode... c'est-à-dire que j'ai un des deux qui est pris, qui est ancré ailleurs. Mais ça ne nous empêche pas ici de s'aimer de loin. Hein. Et là, on est en train de faire évoluer spirituellement la personne. Ou c'est même cette personne qui vous fait évoluer vous, spirituellement également. D'accord? Allez, quel est le message ici à transmettre? Au bélier, s'il vous plaît, quels sont les indices pour qu'il se reconnaisse ici? Maigre, cheveux courts, frisé, petite taille, non, et grande taille. Bon, il y a une différence au niveau de la taille. Il y en a un plus grand, l'autre plus petit. J'ai un qui est mince, qui est maigre. On a les cheveux courts. Alors, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Voilà, cheveux frisés aussi, voire bouclés, d'accord? Voilà. En tout cas, on n'a pas les cheveux lisses, quoi. Et voilà, ce qui ressort ici, donc vous allez peut-être vous reconnaître au niveau de la description, les amis, d'accord? Hop. On va aller voir, du coup, en bas, ce qui ressort pour les autres. Ce qu'on a ici de l'indécision au niveau de la communication.
Je vois ici du chagrin, une relation compliquée. Pourtant, il y a quelque chose qui va finir par se réaliser. Il y a peut-être même un travail, un nouveau travail hein, pour certains aussi. Peut-être que vraiment, on vous a peut-être même aussi amené à changer de poste de travail pour certains ici. Alors, si ça a commencé sur un lieu de travail, ça peut être possible. Et du coup, grâce à cette relation peut-être compliquée ou voilà, il y a peut-être aussi un changement ici. Par contre, il y a du bonheur, il y a un bien-être de nouveau retrouvé. Il va y avoir ici des conscientisations qu'à un moment donné, trop c'est trop, cette indécision par rapport à cette personne, si elle ne veut pas se positionner dans sa vie ou par rapport à vous. J'ai des personnes ici, en tout cas, qui vont en avoir ras-le-bol de cette indécision. Ils vont commencer ici à conscientiser, à aller chercher leur bien-être, leur bonheur ailleurs ou à se recentrer tout simplement sur eux-mêmes. D'accord ? Il y a une phase ici, il y a une transformation, il y a une fin de cycle pour certains, surtout si vous êtes bélier avec du poisson, ça sera davantage pour vous. Sinon, ça peut être aussi par rapport à un poisson, d'accord ? Il y a ici des honneurs, du respect, ou alors peut-être qu'on va vous mettre aussi sur votre chemin une personne du signe du poisson, et là, la relation va être complètement très douce, très respectueuse aussi avec cette personne. Et il y a une réussite en tout cas par rapport à ce qui vient. Le Gémeaux, hein, peut-être qu'on peut retrouver en haut avec qui on est peut-être flamme jumelle. Il y a la lettre H dans son prénom, dans son nom de famille. Il y a de l'indécision parce que j'ai peut-être cette personne qui doit ici, peut-être qui est pris dans un engagement hein, parce qu'on a quand même le stylo, hein, d'accord ? Il y a une proposition ici pour du long terme peut-être, hein, pour certains. Il y a... Ou alors malgré qu'on est ancré, on vous porte tout de même ici de beaux sentiments tout de même aussi. Malgré que la personne elle est ancrée, qu'elle a du mal ici à se décider dans une certaine forme d'indécision, d'accord ? Ça n'empêche pas de vous porter ici de beaux sentiments vis-à-vis de vous. Ou vous vis-à-vis de quelqu'un. On a la reine de flûte, regardez-moi ce beau cœur entre les mains. Et on a la cavalier de flûte. Ah, j'ai quelqu'un ici qui s'avance vers vous avec une proposition. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes en mode méfiance, les amis. Ok, mode méfiance. Donc là ici, on a l'évolution par rapport à une rupture très douloureuse, une fin de cycle qui s'est annoncée, qui n'a pas été facile. Ça peut être ça, le cercueil qu'on a ici dans les breloques. Là, le 2 de rings, c'est le 2 de denier. On est en train de jongler entre deux situations. On est en train de peser le pour et le contre. On est face à quelqu'un qui est un peu dans une certaine forme d'indécision. On le retrouve dans les breloques. D'accord ? Et à la fin du paquet, on a le 9 de flûte. Donc, il y a quelque chose qui nous répond à nos aspirations. Et ici, on a la solitude. Donc, peut-être un éloignement, une solitude à un moment donné dans laquelle on était. Donc, peut-être que si quelqu'un revient ici avec une offre, une proposition, on est un peu en mode méfiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu peut-être une séparation justement par le passé avec quelqu'un qui était dans une certaine forme d'indécision à trancher par rapport à vous et à sa situation dans laquelle il est ancré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les breloques. Peut-être qu'on est ancré dans une situation, mais ça n'empêche pas de qu'on porte ici de beaux sentiments pour quelqu'un. On ressent quand même des sentiments pour vous. Effectivement, on peut avoir quelqu'un ici qui s'avance avec une offre, une proposition. D'ailleurs, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais j'ai quelqu'un qui reste un peu en mode vigilance, un peu méfiance. Est-ce que bon, la personne ne va pas me la refaire à l'envers ? Parce qu'on me le montre ici, hein, il y a eu une séparation. Mais par contre, sur cette séparation, on nous montre tout de même une évolution à venir. D'accord ? Il y a une offre, une demande qui peut être faite. Effectivement, on peut le retrouver dans le bouquet d'un engagement stable. Ça peut être possible que cette personne, finalement, va finir par se décider, retrouver un équilibre. Et je pense ici, peut ici venir avec une offre plus concrète. Ça peut être possible. D'accord ? Même si dans les breloques, pour l'instant, l'indécision. Mais je pense que j'ai quelqu'un qui en a assez de rester dans cette indécision et peut venir faire une offre, une proposition. On le voit ici avec le stylo dans les breloques. C'est une relation qui est assez intense parce que c'est à la fois très compliqué mais qui génère en même temps beaucoup de souffrance mais beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup de souffrance à la fois. Mais il y a un vœu qui va finir par se réaliser et effectivement on le retrouve à la fin du paquet avec le 9 de flûte. Ça c'est un vœu, un souhait qui finit par se réaliser, qui a peut-être mis du temps à se réaliser, mais finit par se réaliser, d'accord ? Peut-être parfois, il arrive même quand on l'attend même plus.
Ok. Allez. En tout cas, s'il y a un signe du Gémeaux, on peut nous parler, ou un signe du Poisson. Voilà, il y a quelque chose qui t'en... Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose ici où une relation peut redémarrer, mais dans le respect de l'un et l'autre, et dans quelque chose de plus équitable. D'accord? Allez. Pour les Béliers, en couple ici, en triangulaire, en relation compliquée, on parle de doute. De non. Ouais, pour moi, c'est comme s'il n'y avait plus de doute. On a tourné la page, peut-être même pour certains, ici. Ou alors, au contraire, on doute. On pense avoir tourné la page, et puis finalement, non, parce qu'on a été très rapide à vouloir laisser tourner cette page, et puis finalement, non, on s'aperçoit que qu'on ne l'a pas complètement terminé. Et on a la carte oui à la fin du paquet. C'est assez mignon. Donc, il y a bien ici un lien, le fait de toujours lier à cette personne. On pensait avoir terminé, clôturé, mais non. Hein, puisque de toute façon, cette personne peut de nouveau réapparaître ici au niveau de la pensée. On est un peu flou. Il y a quelque chose qui a été très rapide ici. Hein. On a tourné la page trop rapidement. Je pense que alors que la relation n'est pas complètement terminée. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les Béliers en couple, en relation compliquée, s'il vous plaît? Effectivement, parce qu'il y a bien ici une évolution sur une séparation. Hein. Et effectivement, on le retrouve. Non, ce n'est pas terminé, parce que ça, le fait d'avoir clôturé, ça a été très rapide. Donc, on n'a pas eu le temps de clôturer de manière à avoir fait les choses de la bonne manière. Voilà. On peut nous montrer aussi ce côté instabilité. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Hein. D'accord. Et à un moment donné, on a eu ras-le-bol. On a fermé le livre. Mais là, je vois, j'ai de nouveau quelqu'un qui va retenter ici, du coup, le fait de revenir. C'est pour ça qu'on est en mode vigilance. On se dit, non, mais attends, il va encore me la refaire à l'envers, celui-là, ou qu'est-ce qui se passe? Ou celle-là. Hein. Il n'y a pas vraiment de genre ici. Même si on me montre une reine de couple qui est une énergie plutôt relativement féminine. Allez, quel est le message ici à transmettre au Bélier, en couple, en relation compliquée d'ailleurs. Je parle de toi à mon entourage. Ah. Mon mental occulte mes sentiments. Il y en a un des deux où son mental lui occulte ses sentiments. D'accord? Et l'autre parle de vous à son entourage. Alors, est-ce qu'on parle ici à son entourage pour qu'il reprenne cette personne ici le courage à deux mains de revenir retenter ici quelque chose? Ça peut être possible. D'accord? Ça peut être possible. Qu'on revienne ici faire une offre, une proposition ici. Parce que là, on a fini par sortir de cette indécision. Parce que c'est trop, c'est trop. Et là, on revient ici retenter ici faire une offre. Alors, surtout si vous avez la lettre H. Cette demande qui vient vers vous peut vous concerner. Sinon, c'est une personne avec la lettre H qui vient vous la faire. Ok? Voilà les amis, on va aller voir du coup les indications, les indices ici un petit peu pour vous, sur la personne en face de vous. On va aller voir. Allez, les indications ici pour les Béliers, mes amis. Béliers. Une personne plus jeune que vous. Il y a une différence d'âge peut-être. D'accord? Peut-être possible. Frisé. La consonne. Oui, on a la lettre H. Et grande taille. On parle de l'ami. Et on l'avait retrouvé ici avec la carte de l'ami derrière. Avec la carte, oui, il y a quelque chose qui est en pause. Mais il y a le lien, toujours, qui nous lie à quelqu'un. Et en plus, on a ce beau soleil. Regardez-moi ça. Avec une communication peut-être à venir. Ok. Pour éclaircir quelque chose. Pour que nous dire que cette personne, elle nous aime toujours autant. Il peut y avoir peut-être même un lien d'âme ici, hein, d'accord? Un jumeau d'âme. On l'a ici avec la carte, déjà avec le breloque du Gémeaux. Écoutez, grande taille. Alors, soit on est plus jeune au niveau de l'âge, mais ça peut être aussi au niveau de la maturité, hein, également, hein, d'accord? Les cheveux frisés, la consonne. Effectivement, on nous montre la lettre H. Grande taille. Voilà, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir pour voir un petit peu en quoi ça fait écho chez vous. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Ça, c'est pour moi, c'est pour m'aider par rapport à mon travail.
Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.